Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle séance d'aquarelle. Et aujourd'hui je vous emmène peindre à la plage. Alors c'est parti, je vais sortir la crème solaire et ma palette. On y va! Voilà, alors je suis descendue sur la plage, je vais pouvoir m'installer tranquillement pour peindre. C'est parti! Voilà, alors je me suis installée pour peindre, donc je vais pouvoir commencer. Alors, je vous donne quelques conseils avant de débuter. Premier conseil, c'est de prendre le temps de regarder le paysage dans son ensemble. L'idée, ça va vraiment être de vous concentrer sur le lointain pour pouvoir travailler et réussir vos effets de perspective. Alors, deuxième conseil, et qui va dans la continuité du premier, c'est de penser de manière globale. C'est-à-dire que l'idée, ça va être de fixer sur le papier un paysage dans son ensemble sans se focaliser sur les détails, c'est-à-dire sans trop surcharger votre composition. L'idée est de donner une vision d'ensemble de ce paysage, en l'occurrence un paysage de plage, un paysage marin. Et dans ce type de travail que je vous propose aujourd'hui, les détails sont accessoires de l'ensemble de votre composition. Allez, c'est parti, on attaque!
Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et puis que vous pourrez vous resservir des conseils que je vous ai donnés. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire et de vous répondre. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.